restaurant de Saint-Euterre. Généralement, le vendredi soir, le samedi soir, je me mets sur le canal 27, voilà. Et je lance des appels, pareil. Alors, des fois, bon, c'est sur les coups de 21h, 21h15. Parce que bon, les gens, 21h, des fois, ils n'ont pas tout à fait fini de manger. Mais au plus tard, allez, ça peut être 21h15. Ben là, tu vois, j'ai même pas fini de manger, pareil. Je t'ai entendu, j'ai vite sauté sur le mic. Tout à l'heure, tu m'as pas entendu. Donc, j'ai dit, ben, après, c'était passé, je t'ai entendu passer en bas. Allez, vite fait. Et donc, du coup, là, j'ai repris le mic avant que ben, tu t'en ailles, quoi. Ce sont 13:51 à vous tous, c'est les stations de la part de Dindy 33 pour le QSO national du canal 27 pour tous les vendredis soirs et samedis soirs. Enfin bon, on essaie quoi. Tu m'entends petit, peut-être que je parlais trop près du micro aussi, c'est possible. Voilà, j'ai éloigné un petit peu le micro, parce que... ah oui, alors attends, pour commencer, voilà, je viens juste d'arriver dans le QSO. Donc, comme à chaque fois le vendredi soir, cette première demi-heure, je la filme pour motiver et inciter les autres départements à en faire autant chacun de leur côté. Maintenant, Jean-Paul, si tu me dis que là, ce soir, tu ne veux pas être filmé, je coupe la vidéo de suite, c'est pas un problème. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, là, parce que j'étais en train de bricoler mon ordinateur, alors ça fait que... Reviens-moi, donnez pas. Ok, là, je t'entends assez écrasé, là, de mon côté. Ouais, je disais donc, comme à chaque fois, là, pour le QSO du canal 27, cette première demi-heure, je fais une vidéo dans le but d'inciter les autres départements à en faire autant chacun de leur côté. Voilà, de façon à ce que ça se généralise là sur l'ensemble de la France. Voilà, donc si tu ce soir, là pour cette première demi-heure, tu ne veux pas être filmé, il n'y a pas de problème, tu me le dis, je stoppe de suite et là la vidéo pour ce soir, ce sera poubelle et puis c'est pas grave. Non, mais ça c'est pas gênant, attends, tu m'as dit que j'arrivais à écraser, est-ce que ça a bougé quelque chose là, parce que je suis avec leur série, je suis baissé presque à zéro, mais je peux essayer de baisser un peu plus si ça écrase. Alors non, c'est pas la puissance, le problème, c'est pas les watts. Je pense que ça serait plus du côté du micro par lui-même. Ouais, Jean-Paul, écrasé, c'est petit pour moi, là. Il s'est écrasé, petit pour moi, là, Jean-Paul. 73, rebonjour, monsieur Dundee Control. C'est Fabrice Ordonne, là. Ok, Fabrice, je suis content de ton retour. Là, ça va être assez sympa, quoi. Donc là, il y a Chameau avec nous, donc toi Fabrice, Jean-Paul. Chameau, est-ce que tu as ton pote aussi avec toi qui est en fréquence? Il y a Chouchou à côté de moi, là, mais il est encore en train de faire son repas. Par contre, il se mettra pas en fréquence de son côté, il viendra avec moi dans mon pochon. D'accord, ok. On a normalement... alors attends, trop de cuillères à M&M. Ok, d'accord. On a Belfegor. Attends, je lui réponds en même temps. Je lui dis qu'on va passer... Ok, justement, Chameau, c'est très bien ce que tu me dis, là, qu'il reste à côté de toi. Alors, on va passer en USB. Sur le même... oui, voilà, je suis en train d'écrire en même temps.
Ah putain, oulala, oh les conneries, c'est pas grave. Allez, envoyez. Oui, on a Belphégor qui essaie de nous avoir derrière la pôle QSO, mais en AM de son côté, c'est pas possible. Il est sur le secteur de Marmande. Donc pour lui, ça, il a trop de QRM. Donc je viens de lui dire qu'on va passer en USB. Chameau, justement, ça tombe bien que tu me dises ça. Comme ça, sans risquer de gêner quelqu'un, on va pouvoir tous migrer sur le même canal, la même fréquence en USB. Et il y a des chances qu'il y ait aussi Eric, 14 Victor Echo 27, qui soit derrière depuis son QTH vacances dans le Médoc. Donc, si tout le monde est d'accord, on peut basculer là de suite en USB. Ok, pas de soucis, Dandy. Écoute, on passe en USB. 73, quand à Fabrice, j'entends là quand même, on a 73 à Fabrice. Allez, on bascule en USB. Enfin, moi je suis d'accord, toujours. Ok, donc l'ensemble du groupe bascule en USB. C'est parti. Ok. Ça marche bien. Aller mieux, hein, parce que c'est sûr que quand on est de près comme ça, c'est pas le micro, hein, c'est pas le micro, c'est le poste qui pousse un peu. Donc c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. J'espère qu'on est bien tout ce qu'il y a en face. Hein, et ma foi, tout ira bien. Retour, Dandy. Ok, merci pour le retour. Belphégor, ok, voilà, désolé, j'avais oublié de basculer l'ampli. Hachi, voilà, maintenant il est en SSB. Voilà, donc j'espère que Belphégor va pouvoir nous avoir là au loin, là derrière, là depuis les environs de Marmande. Retour de micro sur Belphégor pour voir si on t'entend. Oui, les 2073 Belphégor, j'ai pas eu le temps de te clarifier, donc ça peut être que toi qui ai pris le micro. Donc là, avec nous, alors, il y a toi maintenant qui vient d'arriver, il y a Chameau avec son pote Chouchou, ils sont tous les deux dans le même véhicule, donc station mobile. Il y a Jean-Paul qui est sur les environs, sur le secteur de Saint-Émilion. Et il y a aussi Fabrice qui est sur le département 24, nord-ouest du département 24. Voilà. Toi, Belphégor, tu viens d'arriver. On devrait peut-être avoir aussi Eric 14 Victor Echo 27, ou sous son autre indicatif, 14 ODR 027. Qui lui est sur le Médoc, il va tenter une percée, on verra bien à un moment donné si ça break. Retour à toi, Belphégor. Enregistrez le break. Ok, merci pour le retour du micro. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, le week-end dernier, voilà, il y a eu le salon de Marennes. Et Belphégor, on pensait te voir sur le salon, et puis là, grosse déception. Hachi, on t'a pas vu. Et pourtant, je peux te dire que on s'est tous posé la question, justement, les uns les autres, est-ce que tu serais parmi nous? Et puis bon, apparemment, t'as eu un empêchement. Bien sûr, affirmatif, en avant le break.
Non, rien du tout. J'ai entendu des Espagnols derrière, mais c'est tout. Quoi. Pourtant, oui, j'ai entendu comme toi, ça a briqué. Peut-être que c'était Eric. En avant, chameau. Ok, d'accord. Bon, visiblement, vous entendez pas tous les deux. Belphégor, Chameau t'entend, hein, y a pas de problème, hein, lui il t'entend. Chameau, est-ce que tu peux te déplacer un petit peu, te dégager un petit peu de là où tu es, essayer de te mettre un peu plus en hauteur ou dégager des maisons de façon à passer un peu mieux. Est-ce que c'était possible? Je suis au gastro liquide, donc comment je vais essayer de faire doucement quand même. Je vais essayer de pas trop m'éloigner non plus. Ah oui, je comprends le problème. Ok. Jean-Paul, alors qu'est-ce que tu as pensé là du salon hein? Là, puisque là, on a enfin pu faire connaissance, c'était vraiment bien sympa. C'était vraiment super cuiro. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé du salon? Ok, mais j'ai pensé d'abord, bon c'était sympa puisque je vous ai vu tous là-bas. Déjà une chose c'était pas mal puisque je savais, j'avais pas reconnu Eric, mais bon, à force de regarder le maillot, j'ai bien vu que c'était lui. Voilà, donc c'était sympathique, à part les exposants qui avaient disparu un petit peu par rapport aux années précédentes, mais il manquait beaucoup d'OM et de matériel à vente sur ces produits. Voilà, donc en principe qu'on va dans ces trucs de radio amateur, dans ces salons de radio amateur, en principe on y va pour voir si on peut trouver quelque chose qui nous irait, quelque chose à laquelle on pourrait acheter, à part du neuf, hein, parce que malheureusement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de neuf, mais l'occasion était de sortie, donc le but d'un salon c'est de faire de rendre de l'occasion et non du neuf, hein, c'est pas de pour porter atteinte malheureusement à ceux qui vendaient le matériel neuf, mais il y avait des personnes qui auraient peut-être été présentes pour vendre un peu de matériel vu qu'ils font plus de radio, vu qu'ils font plus de... Et ça aurait pu être utile à d'autres personnes qui voudraient faire de la radio et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un transistor neuf. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai pensé, qu'il manquait un petit peu de tout ça. Voilà, autrement, j'ai trouvé très sympathique, hein, comme d'habitude. Si on y va tous les ans, on partira pas l'année dernière, je crois, ou un truc comme ça, mais on y va tous les ans et on a trouvé ça sympathique, comme d'habitude. Voilà, donc je vous ai rencontrés à tous, malgré que tu vois, on est voisins, je connaissais pas beaucoup de monde, hein, je connaissais pas les gens de la fréquence 27, mais bon, ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait très plaisir un peu de voir Eric, de voir Pascal, de voir tout ça, ça m'a fait plaisir quand même. Voilà, donc j'étais puis toi, bien sûr, puisque je te connaissais pas, hein, on est voisins et on se connaît pas. Et mon frère, j'espère que le canal 27 va prendre un peu d'ampleur et puis que tout le monde viendra un petit peu discuter un petit peu sur son petit brin de causette un petit peu tous les vendredis ou le samedi, et puis pourquoi pas des fois en semaine. En semaine, il peut y avoir que deux ou trois personnes, mais ces deux ou trois personnes sont là et elles tiennent chaud la fréquence, exactement comme sur moi, sur ma fréquence en USB. Voilà, c'est un petit peu ce que j'en ai retenu de ce...
de ce comment dire, de ce salon, donc j'ai été satisfait de voir que tout le monde était là et certains n'étaient pas là, bien sûr. Voilà, donc quoi dire de plus, quoi dire de moins, pas grand chose. Pas grand chose, j'ai regretté simplement qu'il y avait beaucoup des joueurs qui vendaient trop de postes neufs au lieu de vendre des postes locaux. Voilà, c'est ce que j'en ai pensé tout de suite. Voilà, retour à toi. Ok, ouais, c'est vrai que, ouais, mais ça se trouve, il y a peut-être eu l'effet aussi, là, des grèves et tout, ça, qui ont été annoncées, largement diffusées à la télé, tout ça, qui ont peut-être freiné un petit peu les gens pour venir, là, sur le salon de Marraine. C'est possible, parce que c'est vrai que, il y a eu pas mal d'exposants, quand même, mais tous n'étaient pas là, oui, effectivement. Mais bon, il y a quand même les gens étaient quand même présents. On a vu effectivement plus de monde les années précédentes, mais c'est vrai que c'était quand même bien sympa, c'était quand même bien chaleureux. Alors, je suis en train de regarder sur le chat là, du forum, il y a Claudie qui est sur l'OM, Claudie qui est sur le département 16. Alors, Claudie, oui, tu m'entends apparemment. Qui essaie de breaker derrière depuis le département 16. On va essayer, on va tenter quelque chose. Claudie, si tu m'entends, vas-y, rentre dans le QSO. Je n'entends pas de mon côté. Non plus, je n'entends pas le département 16 avec Saint-Émilion, ça ne passe pas. Là, je n'entends pas non plus, là. J'ai dépassé mon véhicule à ce moment-là. Donc si tu m'entends, tout à l'heure, moi je t'entendais. Bon, c'était petit, mais j'avais à détecter ce que tu me disais, quoi. Tout à l'heure, m'entends, voilà, fais-moi signe de retour à toi, ce gars. En avant, Belfegor. Qu'est-ce que ça peut plaisir de t'entendre, ma parole. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de t'entendre, quoi, mais impossible. Là, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc j'ai dépassé mon véhicule, mais malheureusement, tu m'entends pas. Bon, mais tant pis, quoi, ce sera pour la prochaine fois, en espérant qu'il y aura un peu plus de propague. De retour à toi, Rémi, tu espères à Alfeuer, s'il te plaît. Merci. Ok, je suppose, monsieur Igor, que tu as dû entendre les Roger Beep de Chameau. Ben il est très content de t'entendre, mais apparemment, toi, tu n'arrives pas à l'entendre. Je viens de répondre en même temps, là, sur Internet, là, sur le forum, à Claudie, et ben hélas, non, on ne l'entend pas, quoi. Qu'est-ce qu'il me met? C'est court en ce moment, un peu de propagation, amen. À faire des QSE européens, normal, c'est l'été. Ah non, ça c'est Pascal, ah oui, Pascal, alors attends, non, c'est pas Pascal Demir 18, l'administrateur du forum, c'est un autre Pascal dont j'ai, ça y est, je les appelle QTH, il me l'a dit, Auxerre, je crois, non, c'est pas Auxerre, Auxerre, c'est quelqu'un d'autre, là. Je sais plus. Pascal, si tu m'entends, ou quand tu écouteras la vidéo qui est bientôt finie, mes excuses, j'ai sapé ton QTH. C'est mort pour moi ce soir. Je suis désolé, Claudie. Là, on t'entend, personne n'arrive à t'entendre là, sur le département 33. On a laissé un petit peu de côté Fabrice, je vais à la pêche, je te passe le micro. Ouais, ok pour la pêche, ouais, ça y est, ouais, mais moi j'entends pas non plus, hein.
Ben, Sfegor, au lieu de papoter sur le chat du forum, reprends le micro, Hachi. Je répète, ça m'ennuie pour Claudie, parce que ça me fait... J'ai du mal, ce soir, j'ai pas pour faire du zèle, je répète, je n'ai pas pour faire du zèle, mais j'ai pu avoir une station dans le nord de l'Angleterre, et ça m'ennuie de pas pouvoir voir Claudie dans le 16. Voilà. C'est pour ça que ça me... Voilà. Je suis un petit peu frustré par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Sinon, chameau, mais écoute... que la propagation soit au rendez-vous. Hein. Voilà, mais je pense qu'il y avait Jean-Paul ou Fabrice. On leur laisse un petit blanc. Ok, Jean-Paul, retour de micro. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que moi, j'avais pas trop suivi, là, donc je suis obligé de me recaler à chaque fois, sur chaque OM. Donc c'est pas toujours évident, là, donc tu connais les RCI, comme c'est, alors donc un coin à droite, un coin à gauche, et on sait pas trop comment marcher. Mais j'entends très très bien Melfégo, il passe à 100% de mon côté, là. Alors vraiment, c'est du téléphone, je sais pas comment il m'entend de son côté, mais pour moi, c'est vraiment du très très bon radio, là. Retour, Melfégo, si tu entends Jean-Paul. Je sais pas qui c'était. Voilà, QRZ. Ok, pour ça, oui, moi je t'entends, hein. Je t'entends à 100%. Hein. Là, je suis à moitié puissance, même pas, j'ai 50 watts. Je peux monter un peu plus, vu qu'on a un USB, ça risque rien. Donc, je sais pas, tiens, je vais repasser le micro à Fabrice. Moi, je m'excuse, mais je vais pas me faire très très long pour ce soir. J'étais juste passé pour dire un petit bonjour. Le petit bonjour à tout le monde, et puis je vais repasser le micro à Fabrice. Tant que je tiens le micro, je vais vous saluer à vous tous, toutes mes bonnes amitiés. Peut-être que je reviendrai demain s'il y a quelqu'un. Mais pour ce soir, je suis un peu fatigué, donc je préfère rester un petit peu tranquille. J'ai encore des trucs à faire. Donc, il faudrait que je revienne un peu plus tard ou alors demain matin. Demain soir, si vous êtes là, voilà. Retour à toi, Fabrice, et Jean-Paul en QRT. Donc, les bonnes amitiés à vous tous, et à demain si vous êtes là, peut-être. Ok, eh bien, Jean-Paul, si t'es toujours derrière, pour demain soir, eh bien, tiens, pour une fois, voilà, pour une fois, je serai en fréquence, pas très longtemps, puisque dimanche matin, il faudra que je me lève vers les 4h, 4h10, mais je ferai en sorte d'être présent quand même demain soir, car c'est vrai que, hélas, vu mon pro, bien souvent, ces derniers temps, j'ai eu la chance de pouvoir être là le vendredi soir, mais pas le samedi soir. Et ça, c'est complètement indépendant de ma volonté. Ce qui serait bien, c'est que, voilà, ce soir, tu es venu. Au contraire, hein, c'est très content. On est très heureux de te compter parmi nous. Ce qui serait sympa, c'est que, et je le dis pour les éventuels écouteurs,
c'est que, eh bien, même si nous autres, là, au niveau local, eh bien, on n'est pas là, eh bien, ça n'empêche pas de prendre les micros. Ça, c'est comme le canal 19. Beaucoup trop de stations restent en écoute. Mais le problème, c'est que quand tout le monde reste en écoute, eh bien, ça fait beaucoup moins de bavards. Voilà, c'est ça le problème. Et ce qui fait que les gens font un petit peu l'amalgame, ils n'entendent personne sur le canal 19, ils n'entendent personne sur le canal 27, donc pour eux, ça veut dire qu'il n'y a absolument personne sur la CB en général. Ce qui est complètement faux. Il faut surtout pas hésiter à lancer des appels, à faire des tours de galette. Écoutez. Voilà, écoutez et ne pas hésiter à prendre le micro, même quand on n'entend personne. Des fois, on est surpris et il y a effectivement du monde. Donc, merci Jean-Paul de ton passage. Ah bah tiens, la vidéo touche bientôt à la fin. Le QSO continue de toute façon, même après la vidéo. Voilà, ça, je le signale pour l'enregistrement. Puisque j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un message qui pensait que le QSO ne durait qu'une demi-heure. Non, le QSO continue, mais ça ne sert à rien de faire des vidéos d'une heure, deux heures, trois heures. Ça ne sert strictement à rien. Là, juste une demi-heure, c'est déjà beaucoup. Et ça permet justement voilà, comme je te l'ai expliqué, Jean-Paul, juste dans le but de motiver. Voilà, Jean-Paul, si tu es là, retour de micro. Sinon, eh bien, que je regarde un petit peu les messages. Non, ok, bon, là, il y a une grande discussion entre Belphégor et Claudie sur le chat du forum. Ils sont en train de s'échanger leur QTH respectif. Retour Jean-Paul, et si tu as déjà QRT, eh bien, retour sur Chameau ou Chouchou, parce qu'on ne l'a pas encore entendu, Chouchou. Donc si Jean-Paul, tu es plus là, retour Chouchou. Ouais, j'allais partir parce que j'ai des trucs à faire, hein, donc je suis malade, j'ai des petits contrôles à faire, hein, et c'est l'heure que je les fasse, hein, bien entendu. Donc les bonnes amitiés à vous tous, hein, renouvelées, donc ça m'a fait très plaisir quand même de vous entendre, ça me fait plaisir de entendre un peu du monde sur le 27. Comme tu disais, il y en a un peu trop qui sont à l'écoute et qui n'osent pas parler, c'est bien dommage, je m'en fais, ça viendra tout seul, et puis ce soir, on a de la chance, on n'a pas de porteuse.